Tu renonces aux biographies de tous les copistes pour quelques épisodes de la vie de Bartleby. Le copiste le plus étrange que j'ai jamais vu ou dont j'ai entendu parler. Alors que de tous les copistes, je pourrais sans lacune retracer le cours de leur existence, avec Bartleby, rien de tel n'est possible. De quoi s'agit-il ? Les copies, Bartleby, les copies. Nous allons les relire ici même. Je préférerais ne pas. Pourquoi refusez-vous ? Je préférerais ne pas. Ce que mes yeux étonnés ont vu de Bartleby, voilà tout ce que je sais de lui. À l'exception, il est vrai, d'une seule vague rumeur que j'évoquerai plus loin. Les riches de ce monde, tous ceux qui me connaissent, me considèrent comme un homme éminemment sûr. Durant la période qui précéda immédiatement l'arrivée de Bartleby, j'employais comme copiste deux personnes et comme... Ne pas vous quitter. En réponse à ma petite annonce, un jeune homme apparut immobile un matin sur le seuil de mon étude. Je revois encore cette silhouette nette et livide, pitoyablement respectable, d'un désespoir incurable. C'était Bartleby. Bonjour, Bartleby. Comment ? Bonjour, Bartleby. Mais bonjour, monsieur ! Ah. Le bonheur courtise la lumière et nous pensons que le monde est gai. Mais la misère se tient à l'écart et nous en concluons qu'elle n'existe pas.